Parti de Sherbrooke City. Un jour un homme est parti de Sherbrooke City. Lorsqu'il était en avion pour faire le tour du monde, le tour du monde. C'est vraiment une belle journée à Vancouver en ce moment. Il fait super chaud, il fait super soleil. Comme vous pouvez voir, j'ai du soleil en crise d'en face. Là, c'est pas mal mes dernières journées ici à Vancouver. Là, ce que je vais faire, j'ai une mission en fait. Je vais essayer d'aller trouver du homard. Je suis à Vancouver, puis il me faut du homard parce qu'il paraît qu'il est bon. Fait que là, il me faut l'équipement pour attraper mon homard. Si je veux le pêcher, même s'il fait bien beau, j'ai une mission. Fait que là, j'étais allé dans un magasin, il y avait des filets, des cannes à pêche, des échelles, des bottes, des échelles, des affaires d'invite, des bottes. Je vous laisse deviner c'est quel magasin de grande surface. Il y a des bâtons de hockey, des drapeaux du Canada, des petites grosses qui vendent de hot dog en face. Devinez c'est quoi? Canadian Tire. Je me sentais belle chez lui. Mais là, j'ai rien trouvé. Fait que j'étais allé voir l'ours métallique pour qu'il m'aide à trouver, et il m'a aidé, j'ai trouvé. J'ai rencontré Peter. Oui, j'ai vendu le homard, le homard, c'est moi qui vends le meilleur au monde. Il m'a aidé, j'ai fait bouillir mon eau. Bonjour tout le monde, maintenant que l'eau est à ébullition, je vais mettre le homard. Je l'ai appelé Timmy, le homard gentil. Bon, là j'ai eu quelques problèmes, mon pot est pas mal trop petit pour le homard, je vais le chavirer. Oh. On essaie de rentrer Timmy dans l'eau bouillante. Ouais Philippe, faut que tu fasses bouillir l'eau plus que ça là, hey. Allez Timmy. Nice job. T'es un bon gars. Après ça, j'ai fait sortir mon homard de l'eau, il était bien lourd. Mon truc, vu que j'ai rien pour casser, je plaçais ça. Ta meilleure technique que j'ai trouvée, frapper avec un chaudron. T'as l'air peut-être calme. Merci Rico pour ce bon repas. Mais ça marche. Il ne faut jamais prendre une pince de homard pour faire une flûte ou un sifflet. Ça marche pas.